Question numéro 24. Un ferry part à 15h40 et arrive à 16h30. Quelle est la durée du trajet ? Exemple d'un des exercices à résoudre lors de ce concours de maths. Regroupés au réfectoire, les élèves des classes finalistes de la 5e à la 2e y répondent en même temps que tous les autres élèves de la Polynésie. Ben, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de choses à retenir en classe. Après, il n'y a pas de secret, si tu apprends en cours, tu réussis. Certaines, c'était plutôt difficile, mais vu qu'on a eu des entraînements avec nos profs, ça va, ça a été. C'est un peu choquant, aura quand même, parce que tu vois, quand dans des calculs, donc, tu te perds. Puis, alors quand tu te perds, ça ne vient pas les réponses comme ça. Après les qualifications en début d'année, les classes sélectionnées ont pu bénéficier de cours de maths renforcés. Car pour cette grande finale, les professeurs les ont préparés pour défendre les couleurs de l'établissement. Le fait de travailler avec eux tout au long de l'année sur le calcul mental, ça leur a permis de travailler ce muscle cérébral. Et quand on est en cours, on lance des calculs, ils perdent un peu le réflexe de sortir tout de suite la calculatrice. Et là, ils prennent le temps quand même de faire les calculs mentalement. Parce qu'à la base, on avait des élèves qui sortaient de la calculatrice juste pour du 5 plus 5. Alors que là, c'est évident, on sait tout de suite que c'est 10. Au total, 30 questions posées en un peu plus de 10 minutes, mais seulement 20 par niveau et un temps de réponse variant de 10 à 15 secondes. On a alterné des questions faciles, des questions plus difficiles. On a essayé d'avoir des questions sur la partie qui était commune à toutes les classes. On a fait en sorte de faire des questions qui étaient faisables par les 5e, les 4e, les 3e. Les réponses pouvaient être consultées dès 10h sur le site de Polynésie. La première. Moins 1, puissance 2019. Les meilleurs les avaient déjà. Donne la réponse. Ouais, moins un. C'est marqué à côté, non? Ah non, je n'ai même pas mal. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.